départ, je comptais vraiment pas gagner. Avec l'autre coureur qu'il y avait, j'ai dit je serais peut-être placé encore, mais pour gagner, je n'y croyais vraiment pas. Alors, pour ma première victoire, je crois que je suis comblé, car ça n'est vraiment une belle. Je suis très heureux de remporter ce Milan-San Remo après mon camarade René Privat. Et dans le championnat de France, vous avez là remporté un très très beau titre contre Stablinski. Laquelle de vos deux grandes victoires vous a donné le plus de satisfaction? Milan-San Remo était ma première grande victoire. Le championnat de France, c'est le titre national. Je crois que je les place au même titre toutes les deux. Raymond Poulidor, vous avez remporté aujourd'hui l'étape Briançon-Aix-les-Bains, et s'il n'avait pas fait aussi chaud hier? Ah ben, hier, la chaleur, c'est les circonstances de la course, évidemment, il a fait chaud pour tout le monde, mais ce qui a été terrible, c'est cette montée du reste-fond où tous les coureurs respiraient le goudron, et où la roue avant et la roue arrière rentraient dans le goudron d'un centimètre, ce qui était terrible. Tout le monde a arrivé en haut très éprouvé, et c'est ce qui explique par la suite que tout le monde était très éprouvé pour monter voir ces isoirs. Et c'est pour cela que vous n'avez pas pu attaquer hier? Non, hier j'ai pas pu attaquer. Hier je me contentais de suivre les roues et j'ai fait même de gros efforts pour y parvenir. Enfin, Raymond Poulidor explique comment il a réussi à distancer Jacques Anquetil. On venait juste de passer le drapeau rouge annonçant le dernier kilomètre. J'ai un peu accéléré, puis j'ai vu que Jacques avait lâché prise. Alors j'ai mis tout ce que me restait de force, mais je n'avançais pas beaucoup. Et le dernier kilomètre m'a paru vraiment interminable. Est-ce que vous pensez ce soir que vous avez perdu le Tour de France? Ben, je ne l'ai peut-être pas perdu encore, car l'écart est minime, mais les chances qui me restent sont quand même minimes de le gagner. Avec Raymond Poulidor, vainqueur de son premier Paris-Nice à 36 ans. C'est tout de même assez incroyable, Raymond, quand même. Vous attendiez cet exploit depuis près de 12 ans, disons. C'est formidable. Lorsque j'ai aperçu Luis Ocaña pas très loin devant moi, j'ai cru que j'allais réaliser une grande performance, mais je ne pensais pas quand même à gagner Paris-Nice. Mais je me souviens, l'an dernier, je vous avais balancé une boutade. J'avais dit l'année prochaine, je battrai peut-être Merckx dans la Turbie. Je ne croyais pas si bien dire. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.